Après les nuls d'un partout concédés les dimanches derniers face à la formation de Lupopo lors du derby de la ville de Lubumbashi, les corbeaux de Mazembe viennent de serrer lancer en s'imposant très très largement devant la formation de Don Bosco. 9-0 score à l'arrivée. Les Noirs et Blancs se sont totalement baladés dans cette confrontation. 3 buts marqués déjà en première mi-temps. C'est Sissoko qui a été mis en pointe aujourd'hui qui a ouvert les scores. Et sur un exploit individuel, Kevin Mondeko, bien aidé par la défense des Don Bosco, va mettre les deuxièmes buts. Et c'est juste avant la pause qu'Eliam Echak va s'inviter à la fête en marquant de la tête sur ces jolis centres bien dosés par Kasusula. La seconde partie sera presque une répétition de la première. Les corbeaux vont continuer leur balade. Eliam Echak va réaliser un doublé. Issa Mapeko va s'inviter à la fête. Et Robert Melou, rentré en seconde partie, va aussi mettre 2 buts dans cette confrontation. Voici les moments les plus douloureux de cette confrontation. Un télescopage entre le portier Aimé Bakula et l'attaquant Sissoko. Le gardien, totalement blessé, sera obligé de sortir la tête des vents.